Habituellement très discrète sur sa vie privée, Angelina Jolie avait pourtant accepté de vendre les premières photos de sa fille Shiloh pour une somme à 7 chiffres. Mais elle avait une bonne raison. Après avoir vécu des relations médiatisées avec les acteurs Johnny Lumière, vu dans The Crown, et Billy Bob Thornton, Angelina Jolie a succombé au charme de Brad Pitt, à qui elle a donné la réplique dans le film Mr. et Mrs. Smith. Une idylle qui était au cœur d'un véritable scandale puisque l'actrice a directement été désignée comme la principale cause du divorce de Brad Pitt et Jennifer Aniston. La mère de famille a été accusée d'avoir eu une liaison avec l'acteur durant le tournage du film d'action. Si l'actrice a tout d'abord démenti cette rumeur, ce n'est qu'en janvier 2006 qu'elle a confirmé sa relation avec Brad Pitt. C'est auprès du magazine People que la comédienne a indiqué qu'elle était enceinte de leur premier enfant. Un nouveau-né dont les photos ont été vendues pour une somme astronomique. Angelina Jolie, des millions de dollars pour les premiers clichés de sa fille Shiloh en mai 2006. Angelina Jolie est devenue la maman d'une petite Shiloh nouvelle, née en Namibie. Afin d'empêcher les paparazzis de réaliser des photos volées de leur nouveau-né, l'actrice avait pris la décision de vendre les premiers clichés de leur fille à l'agence Getty Images. Nous sommes honorés que la famille Jolie Pitt ait reconnu notre engagement à long terme face à ces questions critiques ainsi que notre capacité à utiliser le pouvoir de l'imagerie pour faire une différence dans la vie de beaucoup, avait indiqué Jonathan Klein, le cofondateur de Getty Images, dans un communiqué. Le magazine américain People avait payé 4,1 millions de dollars pour les droits d'image. Une somme astronomique qui fut reversée à un organisme de bienfaisance dont le nom n'a jamais été révélé par Angelina Jolie et Brad Pitt. Une somme colossale pour les premières photos de leurs jumeaux après des mois de rumeurs dans la presse, Angelina Jolie avait confirmé lors d'une conférence de presse pour le film Kung Fu Panda à Cannes qu'elle était enceinte de jumeaux. Une heureuse nouvelle que sa co-star Jack Black avait balancée sans faire attention lors d'un entretien accordé à l'émission Today de la chaîne NBC. Le 12 juillet 2008, l'actrice avait donné naissance à un garçon, Knox Léon, et une fille, Vivienne Marcheline, Anise. Comme pour leur fille Shiloh, Angelina Jolie et Brad Pitt avaient vendu les premières images de leurs jumeaux au magazine People Hello, pour la somme de 14 millions de dollars. Une somme reversée à la fondation Jolie Pitt que le couple avait créée en 2006. Article écrit en collaboration avec Cimedia. There's all times through the rough times I've been.